Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de mon actualité parlementaire qui a été chargée au mois de juin-juillet puisque d'abord nous avons eu ce fameux accord sur le CETA, cet accord économique entre l'Union européenne et le Canada pour lequel j'ai voté contre. Il a d'ailleurs recueilli une très faible majorité, une partie de la majorité s'est désolidarisée du gouvernement. Pourquoi est-ce que j'ai voté contre? Pour plusieurs raisons. D'abord, juridiquement, ce traité est rentré en vigueur sans que le Parlement, tous les parlements l'aient ratifié. C'est un problème quand même démocratique. Deuxièmement, c'est un de ces nouveaux traités qui ouvre encore les frontières, qui va évidemment faire des gagnants en France, mais aussi des perdants, et notamment sur la filière bovine. Et donc au bout d'un moment, on a une hyper-spécialisation de notre pays sur certains types de production avec les déséquilibres territoriaux que ça peut provoquer. On le voit d'ailleurs en Vaucluse, où nous étions autrefois l'un des vergers de la France, et aujourd'hui nous avons par exemple les Allemands qui produisent plus de fraises que nous, ou l'Espagne qui vient nous concurrencer sur bon nombre de projets. Donc je crois qu'on a besoin d'une pause, ça n'est pas du protectionnisme, mais on a besoin d'arrêter. Et puis troisièmement, il est quand même assez fort de café qu'on invite de la main gauche Greta Thunberg pour parler d'écologie, et que de la main droite on ratifie un traité qui vient augmenter les émissions de CO2. Toujours dans le domaine d'ailleurs de l'écologie, j'ai clos hier la commission d'enquête sur la transition énergétique. Le rapport sera rendu public en septembre. Il s'intéressera à l'opacité de ce qu'on vous prélève sur votre facture d'électricité, sur votre facture de carburant, l'opacité sur la manière dont on dépense cet argent. Figurez-vous qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont déversés, notamment sur ces éoliennes qui défigurent notre paysage. Nous nous sommes aperçus d'ailleurs que l'impact CO2 était quasiment faible. Et puis, à côté de ça, il y a des secteurs entiers qui pourraient justement aider à la lutte contre le réchauffement climatique, et qui finalement ne sont pas aidés. Donc nous rendrons publiques toutes ces conclusions en septembre prochain. Également, nous avons eu le texte énergie-climat en pleine canicule, texte pour lequel que j'ai combattu, parce qu'il continue à prôner la fermeture de centrales nucléaires. Je vous rappelle que le nucléaire ne produit pas de CO2. Il est donc complètement contradictoire de dire on veut lutter contre le réchauffement climatique, et en même temps on va dépenser des milliards d'euros pour fermer le principal outil qui nous permet d'avoir une électricité décarbonée. J'ai aussi était contre ce texte pour d'autres raisons, notamment parce qu'on ne revoit qu'à la marge la manière dont est régulé le marché de l'électricité. Cette manière ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'augmentation de notre facture d'électricité en mars-avril de plus 6%. Moi, je considère qu'il faut tout remettre à plat. Et enfin, j'ai voté contre le texte dit Avia pour lutter contre la haine sur Internet, un texte liberticide. Je fais partie des 6 députés LR qui a voté contre. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on demande à Facebook ou aux autres plateformes américaines eh bien de juger si ce que vous avez écrit eh bien relève ou pas de la liberté d'expression ou relève d'une infraction pénale. Moi, je ne souhaite pas que ce soit des plateformes étrangères qui viennent réguler notre liberté d'expression. Par ailleurs, j'ai posé plusieurs questions écrites, une sur la suppression des tarifs uniques à 30 euros pour les billets bourse solidarité vacances, une sur la souveraineté juridique de la France avec un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui vient tout simplement se permettre de s'ériger en juge suprême et casser les arrêts du Conseil d'État, et ensuite sur la fermeture de l'usine Honeywell en Picardie. C'est cette usine qui produit le fameux compteur Linky, bien connu de tous, c'est-à-dire que le seul acteur français qui bénéficiait parce qu'il fabriquait ces compteurs, eh bien, il va être délocalisé ailleurs, donc on va perdre les emplois qui étaient liés à cette structure, et je pense que ça mérite une explication du gouvernement.